Ça a évolué. Les femmes, elles sont plus heureuses maintenant, plutôt qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles travaillent moins. Elles travaillent moins, elles ont beaucoup de choses, mais c'est très dur. Oui, avant, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas... Ah oui, il y a beaucoup de confort à la maison, ça c'est vrai. Il y a le gaz, le linge, c'est plus rien maintenant avec ces machines. On a vécu l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Moi, j'ai resté longtemps sans électricité, sans gaz. Quand ma mari est née, je n'avais pas ni l'électricité ni le gaz. Et ma foi, je me suis quand même débrouillé. Moi, j'allais chercher l'eau au canal. On avait un canal. On habitait avant mon âge. Dans une maison, il n'y avait ni l'électricité ni le gaz quand on s'est marié. Pourtant, je me suis débrouillé parce que j'avais. Je venais dans la montagne. La mari, on a mis dans une masse. Il n'y a pas de berceau. Tu veux dire une masse, toi. C'est le château où on met le cochon quand on tue le cochon. Ça n'a pas obligé le pousser. Pour quand il était petit? Ouais. Et une fois, il a été... Ceux qui sont endormis maintenant, les petits, là, je vois, de la douche tous les jours. Si tu arrives trop dans l'eau, il paraît que c'est pas tellement bon, on dit à la télé l'autre jour. Il faut les doucher, les enfants, mais il ne faut pas les laisser toujours dans l'eau. Une fois, je ne sais pas où je l'ai trouvé. Je sais pas. En train de gratter les pieds de la mule. Dessous la mule, lui grattait les pieds. Heureusement que la mule était brave, elle a pas envie des pieds. Et une autre fois, alors là j'ai eu peur, et là c'est ma faute. J'avais laissé dans la camionnette du sulfate de cuivre, que je sulfatais les vignes, et j'avais mis Jean-Marie, j'ai trouvé en train de manger le sulfate de cuivre. J'ai téléphoné à l'hôpital, ils m'ont dit faites le vomir tant que vous pouvez. Si vous voyez que ça va pas, vous nous le menez, on lui fera un lavage d'estomac, le temps que possible. C'est mauvais, là, justement, pour un petit, quoi. Mais il n'est pas mort, parce qu'il est encore vivant. Ou un poème. Je suis ma vie. Je prie le bon Dieu, qui me garde la santé, à moi, à toute ma famille, et la paix du monde aussi. Toujours la prière. Tu l'as fait, toi? Ah, bien sûr. Ah, bon, ben. On a réellement de la santé, pas plus. Tout le reste, je me débrouille. Voilà. On a parlé poules. Oui, c'est important, c'est ouais. Joli, les animaux. C'est une compagnie. Mais. Pour le chien, le soir, je le lâche, je le mène ici dedans, je le fais pas ici, je le gâte. Moi, j'aimerais avoir des canards. Il y a beaucoup de compagnie, les animaux. Ah, les canards, mais ils ne se manient, ils prennent le canard, ils prennent le ruisseau. Là. Oh, ben et, moi, je suis fatigué. Je le canard. Ça m'a plaisir d'avoir des canards. Avant, j'avais deux chèvres. Ça m'a plaisir d'avoir deux chèvres. Il y a eu un animal qui t'a parlé, je veux dire, qui t'a ému, que tu as beaucoup aimé, Marcel, ah, moi, les dans ta vie. Les chevaux. Moi, j'ai eu une jument qui était morte. Et elle est venue me voir dans la nuit, elle m'a dit qu'elle allait avoir la remplaçante. Et le lendemain, il y avait un télégramme de l'armée qui me disait de venir chercher une mulet que l'armée me prêtait. Ah, tu ne le crois pas, mais c'est vrai. Elle était morte, elle est venue me voir, et elle m'a dit, Marcel... Oui, il a rêvé dans la nuit. Demain, il y a la remplaçante. J'arrive. Tu n'arrives pas, toi, de rêver dans la nuit? Oui, ça m'arrive, oui. Et j'ai allé chercher le mulet. Alors, avec ce mulet, quel travail tu l'as fait? Alors ce mulet, le premier mulet que j'ai pris, il était magnifique. C'était un mulet italien très 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 beau. Mais les soldats, ils m'ont dit, ne le prends pas, il est trop méchant, il a déjà envoyé 3 ou 4 soldats à l'hôpital. J'avais 20 ans, il dit, c'est pas un mulet qui me fera peur. Et je l'ai pris. Et une bête, il mordait. Il a envoyé les pieds de devant, il a envoyé les pieds de derrière. Et j'ai dit, un cheval comme ça, un mulet comme ça, je le retourne. Alors je l'ai retourné à la caserne. Et pour le mener à la caserne, j'avais peur qu'il m'échappe. J'ai mis la main dans la bouche, j'ai attrapé sa langue, et je le tenais par la langue. J'ai dit, ou tu me suivras, ou la langue me restera dans la main. Je l'ai mené à la caserne comme ça. Elle était méchante, mais il était beau. Je ne peux pas imaginer un mulet plus beau que ça. Et après j'ai pris une, alors qu'on me l'a donné une autre, une mule, on l'appelait Nina,
Après, on a pas vu qu'on était mariés. La cocotte, on était mariés, quand on était cocotte. Et là, elle était douce. Était... J'ai beaucoup aimé les bêtes. C'est agréable. Hein. Et tous les travaux de campagne sont durs. Hein. Les saisons, Marcel, le cycle des saisons, que ça revienne tout le temps, est-ce que c'est pas toujours monotone? Non, c'est normal. C'est normal, c'est la vie. C'est le temps maintenant, n'est pas normal. Ah, mais il y a le temps. Là, il devrait faire beau temps et il fait froid. Oui, des fois, il faut dire qu'il fasse beau temps et il fait froid. Que ça vienne de... Des fois, il y a trop de pollution. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a un tas de problèmes. Mais ça, ça nous dépasse, c'est pas... Ah, ben oui, le bon temps, il pleuvait souvent. Il pleuvait souvent, c'était facile pour faire sortir les légumes, tout ça, et ça poussait. On dit que maintenant, il ne pleut pas assez. Oh, en Provence. Oui. Il ne pleut pas assez. Okay, combien tout, il y a resté 6 mois sans pleuvoir tout l'hiver. Il y a toujours eu des problèmes. Maintenant, je ne sais pas, d'après ce qu'ils disent à la télévision, l'eau va manquer cet été. Il y en a toujours eu. C'est pas bon, ça, pour les agriculteurs. Les agriculteurs se plaignent beaucoup qu'ils n'auront pas de l'eau pour arroser les maïs. Les gens se plaignent tout le temps. Hein. Non, mais c'est vrai. Sur le paysage. Il paraît que ils font voir les choses à la télévision, on le voit, les puits sont barbes comme tout. Oui, mais les gens ils pleurent. C'est le docteur qui avait. Mais combien il y a d'années qu'il n'y a pas plus. Il avait accouché une femme de paysan à Château-Renard. Le minot, à peine il sort de la profondeur de sa mère, bramé. Alors, le docteur dit, on en fera un paysan. Pourquoi? Ben, il y a des qui gueulent. C'est pas qu'un paysan. Maintenant, c'est pas les paysans qui gueulent. Tu n'entends pas les élèves ceux qui gueulent, hein? Tout le monde gueule. Tu regardes la télévision, tout le monde fait grève. Ah ben oui, il n'y a que les paysans qui font pas grève. Tout le monde a gueule. Ils sont pas payés quand même. Moi, quand j'avais fait les manifestations. Qu'est-ce que tu as dit là? C'était le meilleur à Marseille. Il s'appelait M. Chantebourg. Tout le monde passait le certificat d'études. Il n'y avait pas un qui le manquait. Mais il tapait. Bastonné. C'était un grand mutilé de la guerre de 14, du Gaulle. Mais il était méchant. C'est-à-dire qu'il souffrait de ses blessures, alors ça le rendait méchant. Et un jour, il y avait un collègue qui était au tableau. Je crois que mon père, il s'appelait Rifli. Et il ne savait pas faire un problème. Alors il a frappé. Alors moi, je lui soufflais. Alors il voit que je lui souffle. Rien, puisque vous soufflez au tableau. Je vais au tableau, moi je le fais. Et il me file la brousse quand même. Oh putain, là je me suis retenu, mais il dit. J'étais costaud à 12 ans, j'étais comme 21 ans. Je me suis retenu, j'ai dit, si jamais je le frappe, il ne me présentera pas au certificat d'études, il ne me présentera pas au concours d'entrée à l'école supérieure. Et moi, je me suis retenu. Maintenant, je l'aurais frappé. Marcel, toi, tu as peut-être suivi le parcours d'un agriculteur, mais quand même, tu t'es toujours intéressé à l'histoire, aux livres. Ah ben oui, ça j'aime lire, peut-être. Je suis en train de lire, tu l'as lu ça? Non, peut-être que tu l'as lu. Oui, j'ai dû le lire. Qu'est-ce que c'est? La Dame de Montsoreau. Non, je ne l'ai pas lu. C'est de qui? Okay. C'est de qui? C'est de... Attends. Non, Madame de Bovary. Madame ah oui, Gustave Madame Flaubert. Bovary. Oui, Gustave Madame Flaubert, Bovary. C'est magnifique. Oui, c'est beau. Ouais. C'est une époque, c'est les gens qui... Ouais, je me regarde. Je lis beaucoup. Si tu n'avais pas été agriculteur, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier, Marcel? Ah ben moi, je ne devais pas être agriculteur, je m'étais engagé dans l'armée pour faire ma carrière dans l'armée. Et puis après, il y a eu la guerre, on m'a envoyé à la maison. Alors, après, les jeunes, on les a envoyés en Allemagne et pour manger, il fallait travailler la terre. Alors, j'ai acheté un cheval, j'ai commencé à louer des terres et j'ai commencé à faire l'agriculteur. Puis après, j'ai continué comme ça. Puis je faisais aussi l'exploitation forestière, j'achetais des coupes, j'embauchais les bûcherons, et je portais le bois à Aix. Ah, j'en ai vu, c'est dur. Quand je partais de Rovenargues, il pleuvait tous les jours, au mois de novembre. Et j'avais des clients,
Je partais avec une capote sur la tête, et une bâche sur le cul du cheval, et c'est tout le jour. Il y a 13 km devant mon arbre, Alex. Il allait livrer ma charrette de bois, et puis je revenais. Bon, c'était dur. Toi, ça va, tu es content de ton travail? Ça va, je suis content de mon travail, c'est vrai, madame. Ah ben, à l'origine, ça appartenait à personne. Et puis un jour, les hommes sont venus, ils ont mis une barrière, et ça, c'est à moi. C'est lui qui l'a acheté. Maintenant, la terre, elle appartient à celui qui l'achète, ou celui qui l'hérite, ou celui qui la loue, et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de... Quand tu vois un morceau de ta terre, tu dis qu'elle a toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marcel? Comment tu la vois, ta terre? Ben, je l'aime. Parce que je l'ai gagnée. Je l'aime, je l'ai gagnée, parce que j'ai eu beaucoup de peine pour la gagner. Tu sais, quand tu es un paysan sans terre, et que tu arrives à avoir une campagne, ben, tu veux dire qu'il a fallu travailler. Et passer pendant des années, et je travaillais jusqu'à la limite de mes forces. Et ma femme aussi. C'est pas venu tout seul. Alors, ben, on l'aime. Qu'une femme fasse la vaisselle, pour moi, c'est normal qu'une femme fasse la vaisselle, fasse le manger. Et c'est normal que le... Qu'elle fasse l'amour. Que le patron, que le mari aille travailler dehors. Moi, je trouve ça normal. Maintenant, ils disent que les hommes, il faut qu'ils fassent la vaisselle, qu'ils fassent le manger, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent... Elle est beaucoup amoureuse de moi. Moi, je trouve que c'est normal. C'est normal que la femme fasse la vaisselle, qu'elle fasse... C'est pas normal qu'un homme qui arrive de travailler beaucoup fatigué vienne faire la vaisselle, ou faire le manger. Maintenant, ça a tout changé la vie, je sais pas. Les hommes, ils travaillent tous les deux, ils arrivent tous les deux tard. Et souvent, c'est les hommes maintenant qui font le manger. Qu'est-ce qu'il en pense, Marcel? Ma foi, c'est nouveau, mais ça ne m'intéresserait pas. Tu ne voudrais pas faire la vaisselle, faire la cuisine? Non, lui, ça ne peut pas, ça. Bon, avant, il y avait le cheval à soigner. Même des fois, je me couche et le cheval, il a bu. Il fallait le faire boire, le cheval faire manger. Maintenant, comme il y a le temps, il n'y a plus le cheval. Donc, il y a un moment, hein, quand on a vendu la mule blanche. Depuis qu'il y a le tracteur? Il y a peut-être 20 ans qu'on n'a plus le cheval. Et avant, je ne faisais pas le mot. On a donné au cheval. Ah, mais c'était un souci. Ouais. Il fallait se lever bonne heure le matin pour lui donner à manger, sinon, s'il n'avait pas mangé, il ne pouvait pas aller travailler. Il fallait toujours se lever une heure avant. Les chevaux, c'était beau, maintenant, les tracteurs, mais ça va pas mieux pour les paysans. Hein. Alors, c'est vrai que peut-être qu'un cheval, et notamment quand on avait une jument, elle pouvait donner un petit poulain. Ah, mais ça, oui, mais là... Mais nous, non, c'était pas notre rayon. Ça, c'est les éleveurs qui font ça. Nous, on avait un cheval pour travailler. Nous, c'était pour travailler, c'était pas pour... Moi, tu sais ce qui m'est arrivé une fois? Ça arrive qu'à moi, ça. J'ai racheté un seau qu'on m'avait volé. Tu vois, il y avait la fontaine à Aix. À Aix, moi, je dînais dans un bar, et le cheval, il était à la charrette, dans un coin de la rue. Là. Et j'avais un seau où je mettais l'eau, je la mettais au soleil, parce que l'eau était froide. Putain, un coup, je me vois, je vais faire boire le cheval, le seau, il n'était plus. Alors, je demande au pauvre Dene, qu'est-ce qui. Il y en a un qui m'a dit, c'est une vieille, comme ça. Oh putain, cette vieille, je vais la trouver. Je la trouve, c'est... Vous m'avez pris le saut, rendez-moi le... Non, moi, j'ai pas peur des gendarmes, j'irai pas en prison, c'est pas moi. Après, je lui dis, grand-mère, et si le saut dans la différence, tu vas me le chercher, le saut? Ah, mon petit, si tu parles comme ça, ouais. Il a dit, enfin, je m'a ramené le saut. J'ai racheté mon saut. C'était le bon prix? Ma foi. Mais c'était le moment où, pendant la guerre, il y avait des bons à tirer, tu sais, tu ne trouvais pas un seau comme ça. Il fallait avoir des bons. Elle m'a rendu mon seau. Ça, c'est la guerre de 45. Ouais. Maintenant, on est sur la touche. Moi, quand je fais quelque chose, c'est juste pour moi. Non, on est fatigué maintenant.
pas pareil. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On est vieux. Il y a beaucoup de gens qui lui disent tu as la chance d'avoir quitté le marché de Marseille, que ça se vendait. Ouais. Maintenant, ça ne se vend plus. C'était une belle époque, ça, Marcel, le marché de Marseille, les Arnavaux. Oui, oui. Tu peux m'en parler un peu, les Arnavaux? Les Arnavaux, c'était bon. Les choses se vendaient bien. Et maintenant, c'est plus. C'est comme partout. C'est-à-dire, maintenant, il y a les grandes surfaces. Alors, elles ont. C'est depuis Bruxelles. Elles ont des. Depuis qu'on parle tant de Bruxelles, pour nous, ça nous a pas réussi. Des centrales d'achat. Ils font rentrer tous les légumes de l'étranger. Voilà. Ça fait que les légumes d'ici, regarde les fraises. Avec ces fraises marocaines, les Français, ils peuvent plus vendre le ciel. Nous, les premières fraises, on les vendait chères. Il n'y avait pas des fraises comme ça qui venaient de l'étranger. Maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, hein? Les fruits de saison, les légumes de saison, Madame Rayan, ça existe? Et qu'est-ce que vous pensez qu'on a des fruits de tous les jours à n'importe quelle saison? C'est-à-dire que les gens. Ah ben parce qu'ils viennent de l'étranger. Parce que les gens, c'est les fadas. Ils veulent les fraises au mois de janvier. Et après au mois de mai, juin, quand il y en a, ils ne les veulent plus. Ils veulent les choses quand il n'y en a pas. Ça, mais ça c'est l'époque, les gens ils sont fadas, ouais. Non, mais maintenant, les gens ils mangent plus comme avant, ils mangent beaucoup. Bon, d'abord, les femmes ne travaillaient presque pas à cette époque. Hein. Maintenant, elles travaillent toutes. Sinon, ils n'arrivent pas à ajouter les deux bouts. Alors, ils arrivent le soir fatigués, elles n'ont pas le temps de se mettre à faire éplucher des carottes, des pommes de terre. Des... Je vois ma petite fille. Hein. Nous, moi, le soir, j'arrivais, je faisais du manger en pagaille, et ma petite fille est fatiguée. Le soir, elle arrive à 7 heures, elle gâte un peu son petit. Elle m'a dit, je fais un peu du manger le dimanche. Le dimanche, je fais du manger pour le dimanche et pour le lundi, mais après la semaine, ils achètent des boîtes, des conserves, des congés, voilà. C'est plus la même vie. Ouais, c'est plus la même vie. Ou bien ils vont au restaurant, s'il y a des sous. S'il y a des sous, il en faut beaucoup.